Il est au micro de Fanny Kikoufi et Champion Dangui. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par Son Excellence Monsieur le Président Tshisekedi, avec qui nous avons discuté de l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale, la mise en œuvre de notre cadre de partenariat stratégique et les pistes de réflexion pour pouvoir accompagner le Congo, non seulement dans sa transformation économique, mais surtout dans la mise en œuvre des infrastructures, notamment la route entre Kananga et Bukavu, qui sera financée par la Banque mondiale, dont les travaux pourront commencer au plus tard en début d'année prochaine, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Nous avons discuté également avec Son Excellence Monsieur le Président de tout l'appui budgétaire que la Banque mondiale prépare et qui vont bientôt passer à notre conseil d'administration, un programme de 500 millions de dollars pour l'appui budgétaire. Nous avons également parlé du projet d'éducation secondaire des filles, un projet de 400 millions de dollars qui va soutenir la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation primaire et accompagner les filles à l'enseignement secondaire tout en les protégeant de toutes les violences et en permettant qu'elles deviennent le socle de la société congolaise. Puisque nous sommes non seulement une institution de financement, mais une institution de savoir. Du Haut Commissariat aux réfugiés a été reçu par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Boacha. Les détails avec Elvira Pandlou et bienvenue Kabamba. Les combats entre l'armée congolaise et les groupes armés non étatiques dans la province du Nord Kivu ont fait déplacer plusieurs familles de leur ville natale. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés vient en aide aux personnes déplacées à l'intérieur du pays par le biais d'activités destinées à renforcer la protection des personnes vulnérables, notamment de femmes et enfants. À cet effet, les nouveaux hauts représentants du HCR, Mme Dikongwe Atangana, a été reçue en audience ce vendredi 17 mars au Palais de la Nation par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé de questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Toumba Boacha. Leurs échanges ont tourné autour des solutions qui doivent être trouvées par rapport au drame humanitaire dans la partie est de la RDC. Elle a partagé avec moi les expériences des anciens endroits où elle était basée. Elle a jugé bon d'apporter son expertise à la RDC et nous faciliter justement les voies pour essayer de trouver une solution à notre problème humanitaire. Elle a estimé venir avec un cadeau, mais un cadeau particulier. C'est vraiment, elle nous a montré des sacs en pagne confectionnés par les personnes déplacées de l'Est. Elles aident psychologiquement et surtout avoir cette impression de regagner la dignité en se sentant comme utile encore à la société. Et le pagne qu'elle m'a offert justement, c'est un pagne du HCR pour montrer que vraiment le HCR est bien ici au service de la nation. Les hauts représentants du HCR qui placent son mandat en RDC sous les signes de la collaboration constructive avaient présenté ses lettres de créance en avril 2022. La conjoncture économique de la RDC nécessite un suivi méticuleux. C'est le sens de la troïka politique que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo en fait le point. La situation du marché des changes, l'évolution de la masse salariale de 2022 à 2023 en lien avec le cadrage du FMI, la situation des dépenses en urgence, l'examen du plan de trésorerie du secteur public, ainsi que les repères structurels de la 4e et de la 5e revue du programme conclu avec les FMI, autant de sujets qui étaient passés au peine fin à la réunion de la Troïka stratégique présidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le vice-président de cette troïka stratégique qui constitue le baromètre de la conjoncture économique, Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbui, spécifie les bien fondés de cette réunion stratégique.
Et c'est un cadre de concertation très important parce qu'il nous permet véritablement de faire le tour d'horizon de la situation économique du pays, de voir le suivi des engagements que notre pays a pris avec les partenaires extérieurs, notamment le Fonds monétaire, dans le cadre du programme que nous avons et qui soutient le programme économique du gouvernement, mais qui permet aussi de voir comment nous devons faire dans la mise en œuvre des politiques qui sont gérées par la Banque centrale, l'exécution du budget de l'État et des mesures prises pour la gestion des dépenses et pour le recouvrement des recettes, comment nous pouvons coordonner. Et cette coordination est un élément très très important pour la stabilité du cadre macroéconomique de notre pays. Et c'est en fait cette bonne coordination qui nous a beaucoup aidés et qui nous aide jusqu'à présent pour la stabilité générale que nous avons au niveau du cadre macroéconomique de notre pays. L'apport de la numérisation et de la masculinité positive en milieu de travail, les femmes venues de différentes administrations se sont interrogées sur les sujets au cours d'une conférence organisée par le FIFAF, Forum international des femmes. C'était à l'Institut supérieur de commerce de la Gombe. Edith Chala. C'est à l'Institut supérieur de commerce, ISC, que le Forum international des femmes africaines, FIFAF en Syrie, a célébré le mois de la femme autour du thème « L'impact de la numérisation et de la masculinité positive dans le monde du travail ». Une occasion pour différents acteurs de la fonction publique, du travail, emploi et prévoyance sociale et des mines sans être exhaustifs de repenser la parité et la participation des femmes au poste de prise de décision, comme le promeut le président de la République, champion de la masculinité positive. Nous voulons juste dire aux mamans de se former, de s'informer, de renforcer nos capacités pour que nous puissions mériter ce que nous sommes en train de rechercher. Le service d'assistance et d'encadrement des miniers artisanaux et à petite échelle, SAEMAP en sigle, à travers son directeur général Jean-Paul Kapongo, s'inscrit dans cette dynamique de la promotion de la femme. Nous avons décidé de les accompagner et de mettre toute notre batterie en marche afin que les mamans comprennent leurs responsabilités au niveau de la communauté congolaise. On ne bâtit pas une maison sans une mère. Et comme c'est leur mois et leur dit que nous avons encore beaucoup à faire, et c'est encore le début, et un grand message sera devant les chefs de l'État quand nous serons au palais du Congrès d'ici là. En ce mois de mars, les réunions et conférences se poursuivront à la quête d'une grande participation des femmes elles-mêmes aux efforts pour la prise en compte de leurs revendications. Dans sa stratégie de défense, la RDC, à travers le ministre de la Défense nationale, multiplie les contacts des coopérations militaires avec différents pays amis, l'Italie, la République tchèque, le Brésil, sans être exhaustif, ont vu leurs ambassadeurs être reçus par Gilbert Kabanda. Reportage, Diane Balaka, Jojon Dibou. L'Italie compte redynamiser sa coopération militaire avec la RDC. Comme par le passé, son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, Alberto Petronghelli, l'a dit au ministre de la Défense nationale qu'il a reçu dans son cabinet. Gilbert Kabanda en a en profité pour présenter la nouvelle politique de défense congolaise à son hôte. Avec les représentants adjoints du secrétaire général de la MONUSCO, les discussions ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous avons abordé le sujet de la coopération entre la MONUSCO et les FABC, l'état-major et tout ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, dans un environnement assez compliqué et complexe avec la situation dans le Petit Nord. Nous avons également abordé le sujet sur le stockage des armes qui ont été saisies ou en tout cas rendues par les combattants des groupes armés à la MONUSCO et qui constituent également un autre sujet sur lequel nous allons coopérer avec le ministère parce que le principe c'est que ces armes sont détruites. Le nouvel attaché militaire de l'ambassade du Soudan du Sud, accrédité en RDC, le général des brigades Garang Kourkourkoutz, a également été reçu par le ministre de la Défense. Rien n'a filtré de cette entrevue.
Luanda en Angola a offert son hospitalité au forum des commissions électorales de la communauté des pays d'Afrique australe. L'état des lieux des préparatifs des scrutins à venir en RDC était au cœur de ces travaux qui ont connu la participation de la CENI par le truchement de son secrétaire exécutif national, représentant personnel du président Denis Kadima. Et dans un autre décor, le président de la centrale électorale était l'invité du journal Afrique où il a évoqué la question du processus électoral en RDC. Reportage Tétis Samba. Une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que ce scrutin se tienne le 20 décembre prochain? Le président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo sous les antennes de France 24, Denis Kadima Kazadi, a éclairé la lanterne tant nationale qu'internationale sur l'évolution du processus électoral dans son ensemble. Nos chances sont intactes. Je peux dire on est au 10 sur 10. Au moins 7 sur 10, au moins. Tout est mis en place pour que nous puissions tenir les élections à temps. Nous sommes en train d'enrôler là où nous pouvons travailler. Là où, par exemple, à Rutshuru, Masisi et Nirangongo, dans certains des districts de cette partie de la province du Nord, on n'y est pas. Mais on avance là, on peut avancer. Donc nous comptons sur nos forces armées, nous comptons sur les efforts de médiation qui sont en cours et nous espérons que le moment venu... On pourra faire l'essentiel. D'autre part, le secrétaire exécutif national de la CENI, Dr. Mbik Tutokani, a représenté le président de la CENI au forum des commissions électorales de la communauté des pays d'Afrique australe, tenu du 14 au 16 mars 2023 en Angola. Il était question au cours de cette réunion du secrétariat et du comité exécutif de faire une évaluation des rapports d'activité et un état de lieu des préparatifs des scrutins dans les trois pays d'Afrique. Il s'agit le Zimbabwe, le Swaziland et la RDC qui organisent les élections cette année. Au nom du président Denis Kadima Kazadi, le secrétaire exécutif national a fait part à l'assistance des avancées du processus électoral en cours en RDC. Comment la Commission nationale de droits de l'homme compte-t-elle s'impliquer dans le processus électoral en RDC à la paix et à la justice transitionnelle? Ce sont là les sujets débattus lors des échanges entre le président de la CNDH, Paul Sapou, et l'ambassadeur de Suisse en RDC. D'autres précisions dans ce reportage de Luisette Nsakala. La Suisse est intéressée au défi des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé son ambassadeur accrédité en RDC lors de sa rencontre avec le président de la CNDH, Paul Sampou Mukulu. Jasper Sarotte a saisi cette opportunité pour rappeler à Paul Sampou les différentes actions que mène son pays dans le domaine des droits de l'homme. Pour rappel, la Suisse abrite les sièges d'un organe important de l'Organisation des Nations Unies, qu'est le Conseil des droits de l'homme. La maison communale de Kipese, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, aura bientôt un nouveau bâtiment. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Industrie. Sur cet espace de plusieurs hectares, que sortira? Un nouveau bâtiment qui abritera la maison communale de Kipese, autrefois victime d'un incendie gigantesque par les inciviques il y a de cela 6 ans. Les travaux de construction de ces bâtiments, lancés par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaunga, seront financés par la fondation portant le même nom. La première pierre du début de ces travaux a été posée à la grande satisfaction des travailleurs de cette commune qui voient déjà les bouts des tunnels de leur calvaire. Fin du calvaire également dans la commune voisine à Lubero, où le corps d'une personne décédée ne sera plus transporté par la main ou sur la moto. La commune vient d'être dotée d'une ambulance. Un don du patron de l'industrie, Julien Paluku Kaunga. Devant tous les personnels de cette municipalité, il a annoncé la prise en charge des frais de carburant et d'entretien de ces véhicules pendant pratiquement 3 mois. De quoi réjouir les bénéficiaires. Manquer de respect sans le vouloir pour les morts, puisqu'il fallait les transporter sur des motos, sur des brancards, ce qui ne nous honorait pas. Bien avant de regagner Kinshasa, le numéro 1 de l'industrie s'est rendu à Moussienene, où il a procédé à la remise d'une morgue à l'hôpital général de référence. Partout où il est passé, Julien Paluku a appelé la population à s'enrôler massivement pour participer aux prochaines élections législatives et présidentielles.
Le projet présidentiel d'implantation de la centrale photovoltaïque de Chicapa à 20 km de la ville de Mbujimayi avance d'une manière exponentielle. Une mission diligentée par le directeur général du FPI a fait un constat positif sur le terrain. Alain Bikaï. Un mois après notre passage sur ce site, nous voici encore sur les lieux à Chipukaï, une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbujimayi, pour constater l'évolution des travaux. Cette descente sur le terrain a été voulue par le management du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI, conduit des mains de maître par le directeur général Bertin Moudjimou Tshisekedi, qui suit de près l'évolution des travaux d'installation de la centrale photovoltaïque de Chipuka. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel. Revêtu de l'autorité contractante, François Pouila Moukendi, directeur au FPI et team leader du projet, accompagné des délégués du bureau de contrôle et surveillance des grandes internationales groupes, ne laisse aucun détail inscrit dans les projets échappés à l'aide du FPI. Malgré certaines réalités endogènes liées à l'enclavement de cette zone d'implantation du projet, on connaît à ce jour une avancée significative dans la mise en œuvre de ces projets énergétiques devant produire 10 MW pour alimenter la ville de Mbujimayi en énergie électrique la journée, avec une possibilité de produire 5 MW la nuit. Comme vous pouvez le voir dans ces images, la plateforme est déjà revêtue par ses 255 tables réparties en deux blocs. Il sied aussi de préciser que les opérations des rotations des véhicules pour l'acheminement sur le site des panneaux solaires et d'autres composants utilitaires au projet en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga via Mweneditu se poursuivent sans trop de difficultés. Les conducteurs des taxis et taxibus ainsi que les motocyclistes sensibilisés au respect du code de la route, à la protection des usagers de la route lors des trafics afin de réduire sensiblement les accidents de circulation, autant des thématiques abordées au cours de la formation organisée par la Commission nationale de prévention routière grâce à l'appui de la JICA. Et les travaux se sont clôturés hier. Dieu merci Kenza. Cette application numérique Onja Taxi, créée par le partenaire de l'AJICA et la Commission nationale des préventions routières, Onja Taxi vient de s'ajouter au programme de renforcement des capacités des chauffeurs à l'issue de cette formation sur la sécurité routière qui est à sa deuxième et troisième session. Initiée par la CNPR avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, cette application va permettre aux participants d'identifier et vérifier les comportements et les informations concernant les personnes à bord des véhicules pendant le temps de travail, ainsi que les usagers des transports en commun, de connaître le numéro d'immatriculation des engins, enfin de démanteler les réseaux des malfrats et le type de véhicule. La sécurité routière au jour d'aujourd'hui est une préoccupation mondiale. Au chapitre de respect du code de la route, les conducteurs de taxis et taxibus ainsi que le motocycliste ont été rappelés aux principes et règles du code de la route en respectant les panneaux de signalisation. Et notre espoir est que le code de la route devienne la Bible du conducteur. Dans ce sens que le chauffeur doit toujours s'interroger quand il est au volant. Est-ce que ce que je fais est conforme à l'articulation du code de la route. Les formateurs ont éclairé le participant sur la protection des usagers en cas d'absence des panneaux de signalisation routière pour éviter des accidents mortels. La connexion Internet au débit par fibre optique, désormais chose possible à Kinshasa. Une ligne Moanda-Kinshasa a été inaugurée jeudi dernier à Kinshasa par le ministre des Pétentic, Augustin Kibasa Maliba. Les détails de la cérémonie avec Joël Kaimbe. Fil de verre extrêmement fin, la nouvelle ligne de la fibre optique Kinshasa-Moanda est désormais opérationnelle. Dans l'enceinte de la gare centrale de Kinshasa-Ouest, le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication, mais aussi plusieurs personnalités venues de différents coins du globe pour la circonstance. Par ces contrats signés il y a une année,
la société Fiber Access Service Technology Congo, Fast Congo, offre au gouvernement congolais une connectivité au monde de qualité. Nous espérons que cet événement est le premier d'une série qui s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi d'accélérer la transition à l'économie numérique de la République démocratique du Congo. Augustin Kibasa Maliba, ministre des Pétantic, s'est dit fier d'ajouter une nouvelle réalisation dans le sens de la vision du président de la République. L'inauguration officielle de la liaison Kinshasa-Mwamba ce jour consacre notre détermination à doter d'une part à la République des infrastructures de qualité et d'autre part à la population un service haut débit à moindre coût. L'accord prévoit que Fast Congo fournira des services Internet en gros aux opérateurs de télécommunications. Il assurera aussi les réparations de tout dommage pouvant entraver le fonctionnement de cette infrastructure télécom à haut débit. Après la province du Olomami, la bio-agro-business s'installe dans le sud Kivu, sur la plaine de la Ruzizi. Elle fait une récolte des tonnes de maïs dans le cadre du programme volontariste avec pour objectif lutter contre l'insécurité alimentaire. Yvette Makoutima. Grâce à la bio-agro-business, la plaine de la Ruzizi, située dans la partie est de la République démocratique du Congo, va jouir de produits de ses terres. La population locale va consommer pour la toute première fois la farine des maïs sortie de leurs terres. Avec une stratégie agricole d'encadrement des paysans mise au point par la bio-agro-business, gestionnaire du programme volontariste agricole, la matérialisation de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, à Ruzizi, dans le sud Kivu, est une réalité. Pour cette réussite, le directeur général de cette entreprise, Kachi Mulumba, exprime sa satisfaction. Un moyen de combattre l'insécurité alimentaire, c'est en accompagnant les entrepreneurs comme Maman Rumi, qui aujourd'hui a produit du maïs dans son propre champ. Merci pour tous les efforts que vous avez accomplis. Nous serons toujours avec vous pour vous aider à faire encore beaucoup mieux. Et Maman Rumi n'est pas seule, bien sûr. Il y a beaucoup de mamans qui ont été aussi encadrées et accompagnées dans la plaine de la Ruzizi. Les paysans ayant suivi l'encadrement pour cette saison agricole n'ont pas tardé à donner leurs impressions. Remercions notre président de la République pour ce qu'il fait pour la femme. À travers ses projets, cette société BAB, nous trouvons qu'il a pensé à nous les femmes rurales. Supportons nos familles à travers l'agriculture. Aujourd'hui, avec cet exploit accompli par la bio-agro-business, la plaine de la Ruzizi ne sera plus sans nul doute victime de l'importation des produits des premières nécessités telles que les maïs. Le secrétaire général de l'UDPS vient de séjourner à Kananga, dans la province du Kasaï central. Sur place, il a eu à réconforter les victimes des massacres de Kamwena Sampou. Augustin Kabuya réclame la justice et l'indemnisation des victimes. Reportage. Malgré son agenda trop chargé, le numéro 1 du parti présidentiel a trouvé le temps pour réconforter les victimes des massacres de Kamwena Sampou de 2016. C'est à la résidence du gouverneur du Kasaï central que ces derniers ont eu à échanger avec le ministère politique de Félix-Antoine Tshisekedi. Tour à tour, les autorités coutumières et les représentants de ces victimes ont réclamé la réparation par les gouvernements congolais. Une démarche soutenue par le gouverneur de cette province, John Kabea Shikai. Au nom des politiques, Augustin Kabuya a demandé pardon aux victimes de ces atrocités instigées par les politiciens pour leurs intérêts personnels avant de leur assurer son soutien. Plus jamais sans dans l'espace Grand Kasaï, toute différence doit être réglée d'une manière pacifique, a insisté Augustin Kabuya. Organisation de défense des droits de l'homme. Ils doivent veiller sur ces cas. On ne peut pas tuer les gens comme des chiens, comme des animaux comme ça, et aller dormir tranquille. Et ça ne peut pas se faire comme ça. Pour encourager les chefs de l'État à continuer son combat de développement de la RDC, les outils de travail lui ont été remis par l'entremise du secrétaire général Augustin Kabuya. Audience foraine à Njili, le ministère public contre un groupe des Kuluna, initiative saluée par le bourgmestre de la commune de Njili, qui interpelle également les parents à conscientiser leurs enfants.
Une quarantaine de jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, à la base de l'insécurité dans plusieurs quartiers de la commune d'Ndjili, répondent de leurs actes devant la justice. Cette audience foraine, présidée par les procureurs près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Ndjili, Roger Nguema, a consisté dans la confirmation des charges de ces délinquants urbains arrêtés la main dans les sacs. La lutte contre les phénomènes Kuluna va se poursuivre, a martelé les bourgmestres de la commune d'Ndjili, Papi Ngaliema. Nous allons traquer les Kuluna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous n'allons pas baisser les bras. Et je vous promets, la semaine prochaine, il y aura encore une sixième audience. Parce qu'ils sont nombreux. Dans nos cachots, nous avons encore des Kuluna que nous avons gardés pour condamner et amener tous ces Kuluna à Makala. Pour que la population d'Ndjili vive dans la paix et dans la quiétude. Nous interpellons tous les parents de retenir leurs enfants et d'interdire à leurs enfants de pratiquer ce genre d'actes. Nous voulons que la population vive dans la paix. Ce sont les instructions du chef de l'État et que nous allons appliquer jusqu'au bout. Cette audience augure une série d'autres audiences foraines qui va déboucher sur la condamnation ou non de ces hors-la-loi. Sachez que des prisonniers ont été libérés du centre de rééducation de la Cassapa. Ils ont bénéficié d'une mesure de grâce accordée par le chef de l'État. Le centre de rééducation de la Cassapa a vu quelques-uns de ses pensionnaires être libérés. En effet, en application de l'ordonnance présidentielle de mesure de grâce prise par le chef de l'État, le parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga a procédé à la libération de plus ou moins 40 prisonniers. C'est le directeur de la prison de la Cassapa qui a signifié en premier lieu aux prisonniers le sens de la manifestation. Dans son intervention, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Lubumbashi, Teddy Katumbo, a expliqué en rappel les premières libérations conditionnées ordonnées par la hiérarchie judiciaire. Dans sa communication devant les compatriotes privés momentanément de leur liberté, le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga, le haut magistrat Rockefeller Lokamona Masanka, a donné le sens de l'ordonnance présidentielle. Pour décongestionner la prison et prouver sa bonne volonté de compatir aux souffrances des détenus, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême, a pris cette décision. Vous ne devez plus récidiver, a martelé le procureur général, le chef de l'action publique en province, et a révélé aux bénéficiaires qu'ils recevront les kits d'intégration d'un jour. Le président procède par grâce et par commutation des peines. Après les différents mots, les bénéficiaires ont reçu en sortant une enveloppe qui constituait le kit. Était témoin de l'événement. Le professeur Pierre Malagano Kalongola Wamaloani, premier président de la cour d'appel du Haut-Katanga, le maire de Lubumbashi, M. Kazembe Shula, et le chef de division de la justice, Justin Kasokwe Kitoulé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décoration des documents signés pour l'année 2023 à la suite de réalisation de 2022, le système des Nations Unies et toutes les agences confondues ainsi que les partenaires nationaux au développement durable se sont retrouvés dans un atelier pour l'actualisation du plan de travail conjoint 2023. Reportage Mamita Bangoulou. C'est une évaluation à mi-parcours entre les activités de l'exercice précédent et celui d'après, c'est-à-dire les activités réalisées en 2020. Il va falloir déceler les atouts, le problème et les opportunités et mettre à jour des activités planifiées. Ce travail du plan conjoint sera éclaté en atelier, en ligne de revoir et de définir les contextes dans lesquels les programmes vus améliorer. Aujourd'hui, ça s'appelle le développement d'un plan de travail conjoint. Ça veut dire que le système des Nations Unies, toutes les agences confondues, ainsi que les partenaires nationaux au développement, s'assoient ensemble et essayent de voir dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de coopération, qui est le document stratégique qui a été signé entre le système des Nations Unies et les pays, comment on va mettre en œuvre pour l'année 2023. Donc on les fait, on peut se poser la question pourquoi on le fait au mois de mars, parce que c'est un travail qui avait été déjà fait l'année dernière, sur lequel on avait déjà développé les activités pour 2022 et 2023. Là, ce qu'on va faire, c'est une mise à jour par rapport aux activités qui avaient été prévues sur ces deux années. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser en 2022, qu'est-ce qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on voudrait reporter en 2023, et quelles sont les nouvelles activités qu'on va rajouter en 2023 pour nous assurer que la mise en œuvre de ces cadres de coopération va être effective et permettre d'atteindre les objectifs que nous poursuivons.
Ces exercices qui nécessitent les expertises de tous ses participants pour atteindre les objectifs assignés. Fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangolou, José Di Monekene, Joseph Nzedzo, Emile Zola, Alain Galia étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo. Très bonne suite de programme sur la RTNC.